Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une page de Jeune Journal. Alors, là, comme vous pouvez voir, ça vous fait penser à un mood board. Donc c'est un mood board que j'avais préparé pour faire un mood board, on va dire. Et au final, ça ne me plaisait pas. Du coup, vous voyez, j'ai les rectangles, les carrés, les machins, les trucs que j'ai tamponné un feuillage, mes écritures que j'adore. Donc ça, c'est vraiment un brouillon. C'est un test que j'avais fait il y a plus d'un mois. Et voilà, de toute façon, vous pouvez voir, regardez, derrière, il m'a servi de brouillon. Et du coup, ben, nous, on va s'en servir pour faire une page de mon Jeune Journal. Donc, on va l'intégrer dedans. Alors, je vais le plier certainement en deux, comme mon enveloppe. Vous voyez, je vais pouvoir le faire. Par contre, je ne vais pas le mettre en première page, bien sûr, puisque j'ai déjà ça. Vous voyez, on rajoute toujours des couches dans un chunk et c'est pour ça qu'on peut, comme dirait ma copine Isa, en créa, on ne peut pas on peut pas tout de suite monter une structure pour un chunk parce que vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez vous arrêter. Alors du coup, j'ai ça, je plie en deux. Alors combien ça mesure cette feuille? Normalement, c'est... Et en hauteur, elle fait 25. Donc déjà 19 en 2, 9,5. Un petit coup de... Voilà. Et on plie. Et en hauteur, normalement, ça ne va pas trop dépasser quand même. Parce que si on ne sait pas faire joli, ça fait combien? J'avais dit 21, je crois. Là, c'est un ennemi. Voilà. J'ai pas le jeté. Voilà. Donc, 21,5. Hop. On va faire déjà cette partie-là. Déjà, je vais vieillir ma page parce que, comme vous voyez, par rapport au reste, c'est blanc. Après, ça ne choque pas. Hein. De toute façon, je vais la mettre, je pense, ici. Comme ça. Je pense que, en fait, ça choque même pas, mais... Ouais, je vais quand même la... Alors, on va pas faire grand-chose dessus parce que, comme vous voyez, elle est déjà bien chargée. Déjà, je vais quand même, première chose, la vieillir. Voilà. Je n'ai pas rangé. Si, j'ai rangé. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça. Je vais prendre du washi. Le washi que j'aime beaucoup. Celui-là. On va se mettre comme ça ici. Vous voyez, j'ai retrouvé ma colle en roller. J'ai dû l'utiliser pour une de mes pages de journaling que vous aurez certainement tantôt là, ou vous l'avez peut-être même déjà eu, je ne sais pas. Voilà. Vous avez certainement déjà eu la vidéo dessus.
Disons que vous comprenez pourquoi je ne jette quasiment plus mes brouillons, que je jette plus mes essais, tout ça. Parce que, bah, en fait, on peut les intégrer directement dans votre junk. Vous pouvez l'intégrer directement dans votre junk. Et du coup, vous jetez rien quand vous utilisez tout ce que vous avez, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça. Mais ça, ça va être trop... du coup... Oh, ouais, ça je peux pas le mettre. Du coup, on va faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là-dessus? Je vais faire une simple déco avec des fleurs et voilà. Je vais pas me prendre de plus la tête que ça. J'ai regardé dans la petite sacoche de ma petite fée ce que je peux vous mettre dessus en fait. Alors du coup, attendez. J'ai quand même pas mal de choses dans sa petite boîte là. Dans sa petite pochette. Ça, vous voyez, c'est trop... c'est du papier. Et en fait, j'ai tellement peur de l'abîmer. Moi, je... C'est pour ça que je n'achèterai jamais de beaux blocs. Genre Stamperia et compagnie. Et pourtant, j'en rêve. Je vous assure que je rêve d'acheter du Stamperia. Sauf que... j'ai peur. J'ai peur de ne pas savoir... l'utiliser et d'abîmer le papier en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi pour le coup ça j'en ai vraiment les miquettes quoi. J'ai vraiment les miquettes d'utiliser ce genre. Vous voyez Paris, ça peut faire super sympa parce que c'est des étiquettes de vêtements. Et n'oublions pas que Paris, c'est la mode. C'est ça, c'est la mode. C'est notre. Allez. J'ai le nez bien pourri, soyons clairs. Ah, je vais mettre ça, j'aime bien. Je veux pas camoufler trop quand même ce que j'ai fait. Ah, reviens, chouchou. Voilà, ça, je vais le ranger. Ça, c'est bon. Je vais le mettre après. Ensuite... Hop. Alors du coup on va mettre ça. Ah là là. C'est vrai que je vais mettre une petite teinte de couleur là parce que une petite couleur, un peu de couleur quoi, parce que après c'est triste et moi j'aime bien quand même quand c'est pas trop triste. J'aime bien ça. Ouais, là c'est pas mal. Mais j'ai préféré celle-là. Oh là 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 là. Il y a des magnifiques étiquettes dedans. Les étiquettes dedans sont trop... Ah ! Trois. Tiens. Par contre, ça risque que ça va dépasser peut-être. Peut-être. Parce que là, on y est. Hein. Comme ça, je vais le mettre. Ça va pas dépasser comme ça. Ouais. Ah, non. Je vais le garder pour note. Je vais remettre ce que j'avais trouvé au début, c'est-à-dire cette fleur. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pâte? Elle est là. Ah, quand on n'est pas sûr de soi. Vous voyez, c'est pas parce que ça fait des années comme maintenant que ça commence à chiffrer, hein, que je scrape. En fait, on n'est jamais sûr de soi, en fait. Parce qu'on sait qu'on peut faire des bourdes.
Voilà. Puis, de toute façon, il ne faut pas être sûr de soi, ça ne sert à rien. Voilà, moi je le dis, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et je vais juste y ajouter certainement... oui, ça fait bien. Un ou deux strass. En fait, ce que j'aurais pu mettre aussi, c'est des corsets, mais j'en ai pas là sous la main tout de suite, je crois. Non, j'ai pas ça là. Donc il faut que je cherche des, un dice corset. Je dois avoir ça quelque part. Soyons clairs. Donc, mais comme ça, ça me plaît bien. Et je vais y mettre un ou deux strass. Alors, j'ai été coupé en papier noir avec la Gemini ses fleurs. Je vais conserver ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça peut servir de pochoir. Quand vous avez envie d'avoir des sombres de choses, vous conservez ça et ça vous fait des pochoirs. Donc là, je vais sortir mes fleurs. Donc, je ne les ai même pas décollées de la plaque, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Hop. Voilà. Donc, ça, avec ça, je vais remettre ici. Oui, je jette tout par terre, mais je vais ranger tout après. Donc, ne vous fâchez pas. C'est mes strass. Alors. Je vais pas aller mettre les deux, hein, bien sûr. Hein, je suis pas folle. J'en garderai une. Mais je pense que d'ici peu de temps, je vais me faire une après-midi découpe. Pour avoir déjà des découpes de fête. Je vais la mettre comme ça. Des découpes de fête pour mes créas parce que c'est plutôt sympa de les avoir avant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... What? Ok. Mon truc, il est où mon revers? Je vais mettre ça. Ah! Ah! Ça m'a abîmé ma fleur. On va aller doucement. Parce que j'ai pas mon... Bon, comment ça s'appelle ma colle de précision, je l'ai pas avec moi. Ah. Bon, c'est pas grave. Chut, personne n'a rien vu. Chut, 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 chut. Donc ça, on va la mettre ici. J'enlève le surplus de colle. Voilà. Ah oui, ça camoufle un peu celle-ci, mais... Et du coup, j'ai l'air de la réparer. Ah, flûte, cacahuète. Hein. Voilà. Et puis, de toute manière, vous voyez, je vais être obligée de couper le bout ici parce que ça dépasse. Donc, moi, ça me plaît bien. Je vais y rajouter un strass. Pour faire ressortir les choses. Donc j'en ai encore un que j'entame. C'est bien. C'est tout moi. Donc c'est les strass de chez Action. Et je vais mettre un petit rose quand même. Un petit ou deux roses. Ce sera plutôt sympa. Ça va faire ressortir la culère et ici, voilà. Alors c'est un nombre pair, je sais, généralement c'est un nombre impair, je crois qu'on est, mais alors comme tout le monde sait que c'est que je veux, je suis pas forcément les codes du shop, je suis mes codes à moi. Donc voilà, donc ça c'est ma petite page du jour pour mon junk journal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. J'en ai certainement mis encore un chouïa trop, mais c'est pas gênant. Moi j'aime bien. Et vous savez que plus c'est chargé et plus j'aime en fait. Donc ça j'avais regardé un petit bout. Regardez, c'est tout fin, je le gardais. C'était ça peut servir. Donc vous savez que plus c'est chargé, plus j'aime ça. Donc ça ne me dérange en rien que ce soit comme ça. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Surtout,
prenez soin de vous. On va intégrer cette page, du coup, ici. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de la suite? Je l'avais il y a 2 secondes dans les mains. Oh, je vous jure, là. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. L'enveloppe, la petite pochette, mon papier brouillon que j'ai récupéré. Et voilà. Donc, ça commence à prendre forme, ce petit junk journal. Bon, ben moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.